Et allons-y immédiatement en Espagne retrouver une étudiante québécoise qui est actuellement à Madrid, Andréane Millard, qui est avec nous. Bonjour, Andréane. Bonjour. Bon, d'abord, j'ai envie de vous demander, comment allez-vous? Ça va bien, ça relativement bien. Je veux dire, considérant la situation, ça va bien. Troisième jour consécutif où le nombre de décès est en baisse, quelle lecture ça, vous en faites? Est-ce qu'on est en train tranquillement de voir un peu la lumière au bout du tunnel du côté de l'Espagne? Oui, honnêtement, ça fait beaucoup de bien au moral vu que ça allait pour la pente descendante, surtout ici en Espagne. Et finalement, aujourd'hui, par exemple, avec ma famille, on commence à voir que commence à baisser. Il commence à avoir des plans pour le futur plus positifs, les plans du gouvernement, de comment ils vont reprendre la vie normale, les trucs comme ça qu'on commence à entendre plus parler. Donc, évidemment, ça aide beaucoup, ça fait du bien. Le gouvernement qui a décidé néanmoins de prolonger le confinement jusqu'au 25 avril, comment vous avez réagi à cette décision? Honnêtement, personnellement, je n'ai pas réagi bien ou mal. Je m'y attendais, je m'étais faite à l'idée qu'on allait comme ça beaucoup plus longtemps. Mm-hmm. Mais évidemment, pour mes parents ici de ma famille d'accueil, par exemple, pour mon père, c'est beaucoup plus difficile que lui. Il aime beaucoup se sortir, travailler, tout ça, c'est important pour lui. Donc, par exemple, pour ma famille, je peux remarquer que ça les affecte relativement beaucoup. Je crois aussi qu'ils s'y attendaient, mais ça reste comme plus difficile de l'entendre puis que ce soit comme confirmé par le gouvernement. Oui, parce que le confinement, c'est difficile autant en Espagne, mais partout à travers le monde. Il y en a 4 milliards de personnes actuellement qui sont confinées partout sur la planète. Oui, exactement. Mm. Donc, c'est pareil. Je crois qu'on est tous dans le même bateau. Effectivement. Est-ce que c'est plus difficile pour vous, étant donné que vous êtes loin de votre famille biologique qui est au Québec? Je dirais que c'est le cas de beaucoup d'étudiants d'échange avec qui je parle du fait de vivre cette crise-là sans être proche de sa famille, tout ça. Mais dans mon cas, oui, je m'ennuie beaucoup de ma famille, mais je suis très bien avec ma famille d'accueil. Donc, je suis contente de passer ces derniers moments avec eux, étant donné que je ne sais pas si je vais devoir revenir plus tôt, avant ma date prévue de retour au Canada et tout ça. Donc, je suis contente de passer un peu plus de temps avec eux que je croyais, étant donné la situation. C'est bien de voir du positif dans tout. Quand est-ce que normalement vous devriez revenir au Canada? En ce moment, j'ai un billet d'avion pour le 25 juin, si je ne me trompe pas, 25 mm-hmm. ou 26. Que pour l'instant, je n'ai pas eu de nouvelles de la compagnie aérienne, si ça va changer, si ça devrait être correct, parce qu'il reste encore quelques mois d'ici là. Sinon, je ne crois pas avoir le besoin de revenir avant, étant donné que c'est meilleur de laisser passer un peu le gros de la situation, parce qu'en ce moment, il n'y a aucun vol, il n'y a pas de moyen de revenir, même si je décidais demain matin je veux revenir, il n'y a pas vraiment d'option. Donc, je devrais revenir autour de ces dates-là, ou sinon un peu plus tôt, tout dépendant de ce qui se passe aussi avec les écoles, étant donné que moi, je suis étudiante ici, donc c'est ça que je dois terminer mon année scolaire. Dans quel domaine vous étudiez, Andréane? En ce moment, je fais qu'est-ce qu'on appelle le bachillerato, qui correspond plus ou moins au cégep. C'est comme deux années, c'est comme le cégep avant d'entrer à l'université. Donc, c'est plus ou moins général, mais moi, je suis en concentration comme sciences humaines avec philosophie, psychologie, des trucs comme la géographie, l'histoire de l'Espagne et tout ça, là, de base. Et vous parlez bien sûr très, très bien espagnol. Ouais. C'est un peu l'objectif, ouais. J'imagine. Andréane Millard, ouais. Qui est avec nous, étudiante québécoise. Vous vous trouvez actuellement à Madrid. Merci beaucoup. Bonne chance. À vous. Merci beaucoup. Au revoir.